Salut à tous, confinement, ça ne veut pas dire isolement. Depuis le 16 mars, dans la commune de Humvers, Audrey est devenue une héroïne au quotidien. Quoi ? Le coronavirus ? Elle fait quoi ? Elle est toujours pas arrivée ! Vous avez vu ? Audrey est dans le journal ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est le confinement à cause du coronavirus ! Allez hop, un petit tour au bar en attendant. Eh bien, moi, je vais contacter Audrey. Audrey, tu me vois ? Ouh, je suis là ! Tu m'entends bien, là ? Tu m'avais pas dit que tu savais utiliser la visio ? J'ai suivi une formation visio spéciale confinement à Nantes. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, la visioconférence est devenue notre quotidien. Et t'as de belles plumes, tu sais ! Trêve de plaisanterie. Audrey, on ne va plus te voir chaque matin avec le confinement ? Même pendant le confinement, je suis là pour vous. Et ma cocotte, ne t'inquiète pas. Dis à toutes tes copines que j'arrive pour vous soigner. Bon, les filles, on est bien ! Chouette ! Ouais ! Regarde la balle, elle revient ! Regardez, elle est là, comme avant ! Qu'est-ce qu'elle est courageuse ! Surtout, en ce moment ! Moi aussi en première ligne pour assurer l'alimentation des Français. Je voudrais vous faire passer un message très important. Agriculteurs, apprentis et stagiaires dans les exploitations agricoles, nous sommes de véritables bras pour vos assurés. Il est bientôt 20h, je termine ma journée et je vais donc rejoindre les poules qui m'ont demandé de venir pour me réserver une surprise. Bon les filles, c'est quoi la surprise ?